Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on fait un support pour la CNC. Alors, la fabrication du support pour cette CNC, what's up? Je vais faire quelque chose de très costaud parce que la machine, elle fait quand même 160 kg. Donc là, moi, je vais partir sur du 145 par 90 et du 90 par 35. De toute façon, là, je vais vous rapprocher parce que j'ai fait une conception sur ordinateur et je vais vous expliquer comment je procède. Bien, donc pour la fabrication du support pour la CNC. Moi, je suis venu modéliser très rapidement avec des cubes la machine avec ses pieds. Comme ça, j'ai la position des pieds. Je suis venu représenter les axes d'intersection pour justement la position des pieds. Et ensuite, je suis venu conçu les pieds et l'ensemble de l'établi. Je vais faire voir ça tout de suite. Voilà. Donc, je sais qu'ici, j'ai mes points d'appui. Je suis venu tout mettre dessus. Et vous voyez, ici, c'est évidé pour venir insérer justement les planches pour que ce soit vraiment très costaud et qu'il n'y ait pas de jeu. Donc moi je fais ça sur des logiciels de CAO, notamment là c'est SolidWorks, mais bon on peut avoir différents logiciels. Moi c'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci. Mais comme ça là je représente tout, ce qui me donne une vue d'ensemble de la machine avec la CNC et le groupe froid pour refroidir la broche. Il restera de l'espace à l'arrière. Et comme ça, dans l'atelier, on viendra avec ce support. Donc là, moi, je ferai le plan pour cette machine-là. Et vous retrouverez tous les éléments dans la description, juste en dessous. Voilà, donc maintenant, on va passer à la fabrication. Thank you.
Bien. Bon, ça y est, cet établi est enfin terminé. Donc, comme vous pouvez voir, quelque chose de très costaud. Ça bouge absolument pas. Ma scène, elle est bien accueillie dessus. Et comme je vous ai expliqué lors de la conception, je reprends bien les efforts sur le pied ici, sur chacun des quatre pieds. Donc là, moi, vous avez vu, ici en dessous, on retrouve le groupe de refroidissement de la broche, la CNC, où là, je peux avoir accès sur le côté pour venir voir le matériel électrique qui est installé ici. J'ai laissé sa boîte avec tous les outillages. Hein. Je verrai si plus tard je refais des choses, mais bon, il faut laisser quelque chose de très aéré pour le groupe froid ici, pour le refroidissement de cette machine. Donc, cette CNC de chez Wirmer Watson. Donc là, vous retrouverez les liens de cette machine dans la description juste en dessous. Et je vous mets aussi le plan de cet établi pour accueillir cet équipement ou toute autre chose d'assez lourd, parce que vous voyez, c'est un établi bien costaud. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne des Bébois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.